Je dois tout recommencer. Ce n'est pas normal, il y a un problème. Ok, c'est bon, excuse-moi, je suis revenu au foot, c'était tout bon pour toi, en fait, je jouais les mauvais pions. Tu me rends malade! On va commencer avec un petit jeu, c'est des énigmes, mais des énigmes vraiment cool. On va être tous les deux sur la même map, mais on ne se verra pas et on devra décrire ce qu'il y a devant nous à l'autre pour pouvoir avancer dans le niveau. Va falloir qu'on fasse marcher notre cerveau droit. Mais t'as attendu qu'on soit tous les deux pour faire un jeu de ce genre-là? Toi, t'as un truc que t'as mal compris, c'est pas possible. Justement, je vais faire. Il est taré, ce Dwag. Dwag va utiliser son cerveau devant vous ce soir, messieurs dames. Le jeu il s'appelle We Were Here. Alors. Oh, c'est juste. Waouh, c'est beau, putain, mec! Mais ça prend même pas tout l'écran, qu'est-ce que tu me racontes? Mais change ta résolution, va dans les options du jeu, fais un effort. Ah, pardon, bon, moi ça me rassure. Waouh, comme c'est beau! Waouh! C'est trop bien fait, mec! Mais c'est quoi ça? Il a un an le jeu avec des graphismes comme ça, non? Ah non, un mois, tu veux dire, mec? Attends, c'est fou! Les RTX sont sortis pour faire bien tourner ce jeu. Ah bah là, mon PC il chauffe, hein, à ce qui paraît. Ah, mec, je me suis cramé en touchant le mien, gros! Est-ce que vous y croyez, le chat, hein, parce que. Donc tu vois, on est deux, on est à la banquise et on tombe devant un bâtiment et on rentre dedans et les doudounes ont l'air de tenir très chaud. Ça a l'air d'aller. Et la grille va se refermer. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont évanouis. C'est quoi ça? Il y a un méchant. Il y a un méchant. Moi j'aurais honte à sa place. We were here. T'as spawn là actuellement? On va devoir vraiment communiquer, mais genre vraiment. Moi j'ai, je peux te dire, moi j'ai déjà. Il y a un poster sur un mur et il y a des yeux et entre les yeux il y a des symboles. Est-ce que toi tu vois des symboles ou des yeux quelque part? En gros, j'ai une porte fermée avec un grillage et des lumières violettes. Ah mais moi j'ai des signes sur le mur. Alors t'as des symboles, c'est sûr et certain que mon poster il doit te servir. C'est évident. En gros chaque œil correspond à un symbole. Sinon moi j'ai un œil vert et un œil bleu. Je sais pas si ça te parlait par rapport à tout à l'heure. J'ai pas l'impression que je peux interagir et faire des trucs. Ah mais si, en fait, je peux appuyer sur les symboles, ok. Ok, alors qu'est-ce que je dois donner avec les symboles? J'ai 3 lignes de 3 et j'en ai que 9 en tout, moi, symboles. Ok, mais c'est bizarre que t'aies 3 par 3, moi je les ai 2 par 2. Moi en gros j'ai une paire d'œil égale 2 symboles. Est-ce que t'as un truc avec œil? Ah bah c'est bon, j'ai capté. Donne-moi le combo des symboles quand t'as œil bleu et œil vert. Ah bah voilà, ok, c'est ça. Alors donc c'est ma 3ème ligne, j'ai toujours pas compris mais je fais ce que tu me dis. Le 2ème symbole c'est un M et le premier. C'est genre un N minuscule, je sais pas si tu vois. Ouais, avec le petit trait à la fin là en mode t'as voulu faire un peu style. Ouais, exactement. Mec. T'as voulu gagner des points, mais ta copie elle est propre. C'est NM. Ça a ouvert ma porte, je continue. Let's go, ah, on ça avance. A marché. Moi aussi c'est ouvert la mienne. Let's go. Oh putain, c'est l'inverse, j'ai plein de symboles maintenant. Oh non. Alors en gros, je t'explique. Moi j'ai des portraits avec des animaux dessus, mais des fois il y a un crâne sur la tête de l'animal. Est-ce que t'as une sorte d'autruche avec un dos d'escargot? Absolument. Voilà, en gros, si tu veux, j'ai 3 animaux. J'ai autruche. Non, okay. J'ai un seul tableau et c'est une autruche. Et en dessous, j'ai 3 plaquettes de symboles où faut que tu me dises quel symbole je dois mettre par rapport à l'autruche. Ah bah voilà, bah c'est hyper simple. Ok, on a les tableaux et moi en dessous, mais c'est facile. Mais c'est facile. Balance les symboles. Qui sont les plus intelligents? Alors le symbole. Le symbole. Ouais. Le premier symbole, le haut du symbole, c'est un triangle à l'envers. Et ensuite, t'as une barre qui est perpendiculaire à ce triangle qui est à l'envers. Est-ce que c'est une fleur, par hasard? Non, la fleur, c'est le 2ème symbole. Comme si tu faisais une croix de religion. Sauf que haut, la partie haute de la croix, c'est qui dépasse du trait horizontal, c'est un triangle à l'envers. Alors attends, croix de religion. Je suis nul pour expliquer, c'est hallucinant. c'est hallucinant. Explique-moi différemment. Et au-dessus de la croix, le truc qui dépasse de la barre, c'est un triangle sur un T. Voilà, merci le chat. Ah voilà, bah voilà, le T je l'ai. Mais c'est ça, le T c'est bon. En fait, c'est une flèche qui monte le triangle. En fait, c'est une flèche. Voilà, si tu veux. Voilà, c'est ça. Mais voilà, merci. Ok, deuxième symbole. Le deuxième symbole, c'est on dirait une fleur. Bah la fleur, ça je l'ai. Nickel. Ok, et le troisième symbole, on dirait comme un bonhomme qui s'exclame avec des cheveux de part et d'autre de son crâne. Mais au milieu, aucun cheveu. Alors, le monsieur qui a pas de cheveux. Ou alors un fort, on dirait un morceau d'un fort. Il y a une porte et 2 fenêtres à l'étage, comme une maison. Ah ouais, c'est bon, je l'ai. Putain, pour toi, c'était un chauve. Pour toi, t'as vraiment un problème avec tes cheveux. Hein. Tu fais une fixation, hein. C'est pas possible. Fat de merde. Pour lui, c'était un chauve. On dirait un mec qui a pas de cheveux au milieu. Ah, ça a marché. La porte est ouverte, bien joué à toi. Là, en gros, pour moi. C'est totalement différent de tout à l'heure. Il y a plus d'histoire de symboles. Je suis dans un endroit. Je crois que je fais de la plomberie, quoi. Mais moi, en fait, je suis toujours dans la même pièce. Moi, je bouge pas. Ah, attends, pardon. Non, j'ai une porte qui s'est ouverte. Excuse-moi, elle était à l'autre bout. Est-ce qu'il y a un lien avec de l'eau? Parce que je suis en train de me noyer, en fait. Je pense que là, ça va être timé ce qu'on est en train de faire. Parce que de plus en plus, il y a de l'eau dans ma salle. Donc, j'ai deux. Là, je suis en train de tourner un. Je suis en train de vraiment de me noyer très vite. Ça monte à une vitesse. Gros, c'est hallucinant.
J'ai ouvert les valves. C'est bon? Parce que j'ai ouvert les valves. Alors maintenant il y a un trou. Bah maintenant ça m'a ouvert la porte. Bien joué à toi. Ok, je suis dans un cul-de-sac, mec. J'ai une pièce. J'ai un couloir qui va à gauche et un couloir qui va à droite. Comment savoir lequel je prends? Prends l'un des deux. On s'en fout. Non mais c'est mec, je suis dans un monde ouvert là. En gros j'ai une salle où il y a plein de statues. Non mais il y a trop de salles, gros. Je vais péter un plomb. Au sol j'ai, comment on appelle la boussole, les points cardinaux là. J'ai une carte. Est-ce que t'apparais dessus en direct ou pas? Possible, mais là vraiment moi. Et des fois au milieu d'un couloir il y a un mec. C'est toi? Quoi? Reviens derrière. Non. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai pas bougé, c'est pas moi. J'ai vu un truc, gros. Non, c'est une blague. Je te jure, j'ai vu un truc passer. À mon avis, tu commences là où il y a marqué la flèche et où il y a le truc blanc. C'est évident. On est d'accord, tu peux aller soit à gauche, soit à droite. On est d'accord. Exactement, exactement. Ok, première à droite. Totalement. Première à droite. Ok, j'avance. Là, j'arrive à un cul. Putain. J'arrive à une zone où je peux soit aller à droite, soit aller tout droit. Est-ce que tout droit, ça te parle? Tout droit. Ok. Et ensuite, tu peux aller à gauche. À gauche. Exactement. Bah, va à gauche. Ok. Let's go. Ensuite t'as que à gauche. Aller à gauche. Ok, va à gauche. Yes. Ensuite va à droite. Droite. Yes. Là tout j'ai une lumière bleue, je rentre dans une salle bleue. Voilà, c'est bien, c'est normal. Alors je veux pas être chiant, mais tu m'amènes vers où j'ai cru voir le mec. Mais, on s'en bat les couilles. Ok. Ensuite tu peux aller à droite. Exactement. Tu vas à droite et là t'arrives dans une grande pièce. Soit tu peux aller tout droit et monter des marches, soit tu peux aller à gauche, soit tu peux aller à droite. Bah oui, totalement. À droite alors, t'as quoi? À droite j'ai une salle avec des statues. Et ensuite une fois que je suis à la droite, je peux re-aller à gauche. Et j'ai une sorte de grille fermée quoi. Donc en vrai à droite y a rien. Mais parce que moi dans la pièce à droite il y a une croix rouge. Ok attends, j'ai une idée. Quand tu revas dans le couloir là dont je t'ai parlé, juste avant que t'arrives dans cette salle là, va à gauche. Ensuite là tu peux aller que à droite normalement. Ouais. Va à droite et prends les escaliers sur ta gauche. Qui descendent vers le bas, ouais. Ok. Ensuite tu reprends à gauche les escaliers, ok. Ouais. Et ensuite droit, tu tout droit. Va tout droit. Parce que là du coup il y a un la petit point vert. Tu vois, voilà. Une salle verte. Ouais. Voilà, va dedans et normalement il y a une croix. À ta gauche il y a des caisses, non? Ouais. Il y a quoi au début? Genre dès que tu viens d'entrer dans la salle, la première caisse à gauche, est-ce qu'il y a quelque chose au pied de cette caisse? J'ai un levier vert. Active-le. C'est fait. Ok d'accord, j'ai compris. Donc partout là où il y a des croix, ça veut dire que c'est des leviers à activer. Ok, ouais. Ok, j'ai la solution. Ouais. Désolé, j'aurais dû comprendre vraiment plus tôt. J'ai été deux temps mon gars. Là tu reprends les marches qui mènent à, ouais. Tu sais, qui remènent à la première salle où il y a le levier bleu. Tu vas activer le levier bleu en fait là. Tu fais droite et redroite. Et là t'actives le levier bleu s'il te plaît. Effectivement, c'est bon. Le levier bleu activé. Une fois que t'as fait ça, donc tu repars au point de départ. Sauf que cette fois au lieu de prendre à droite, tu prends à gauche. Puis tu prends à droite. Ok. Je te jure la vie de ma mère, gros, y'a un truc qui rampe. Non, vas-y, je vais pas là-bas. J'suis mais désiré. Arrête, Doris. Je te jure, mais gros, y'a un truc qui rampe au sol. Mais c'est un screamer tout naze. C'est un screamer tout naze, il va pas te tuer. Non, mais pourquoi? Viens, on échange de rôle. Prends mon rôle. Bah, t'avais qu'à faire le mec dans la librairie comme moi. T'es tranquille, toi, dans ta librairie, il peut rien t'arriver. Non, y'a un mec. Eh, on en sait rien, frère. On en sait rien. Mais librairie. Je l'ai vu. Bah, on en sait rien, je l'ai vu sous mes yeux. Tu continues tout droit, bordel de merde. Chiant, t'as toujours le rôle du mec qui peut rien arriver. Me dis pas que c'est à droite. Là, j'ai avancé dans cette rue. Il y a à droite ou gauche? Me dis pas que c'est à droite, il est parti à droite. C'est à droite et à gauche. Je te déteste. C'est droite gauche et ensuite tu retournes dans la pièce là où il y a le levier vert mais par l'autre côté cette fois en gros. C'est bon, j'ai activé le levier vert. OK, bah là tu fais demi-tour et tu retournes au point de départ s'il te plaît, je vais te guider. OK. OK, passe la grille, va à droite et dis-moi si la porte verte elle est ouverte. Bah logiquement vu qu'on a activé le levier, elle devrait. Ouais, elle est ouverte effectivement. Active le levier orange du coup. Ouais. C'est fait. C'est fait. Repasse par la porte bleue qui était ouverte et retourne au levier bleu et réactive le levier bleu. Tu passes par la porte bleue qui est normalement ouverte. Tu réactives le levier vert pour que la porte s'ouvre et que tu puisses passer à travers cette fois. T'es chaud, hein. Ouais, tout va bien là. Non, mais on est là ou pas, nous? Oh, on est chaud. Ok. Je reviens en arrière après avoir activé ou parce qu'il y a Non, pièce. Tu passes la porte verte du coup que tu viens d'ouvrir en activant le levier vert et tu vas immédiatement à gauche à travers une porte orange. Voilà. Bon, j'aimerais bien voir ce que tu vois toi parce que moi je vois juste une carte. Oh, checkpoint Richard. Ah, genre, j'ai jamais vu ça depuis le début du jeu. Est-ce que j'ai la dernière porte qui s'est ouverte? Non, j'ai pas la dernière porte qui s'est ouverte. Bon. Et si ma porte vient de s'ouvrir selon moi et je suis dans une nouvelle pièce, ça a dû bouger pour toi. Non, je me gèle les couilles, c'est un moment d'urgence. C'est un moment d'urgence, c'est un échiquier. Échiquier au milieu. Je me gèle les couilles, je vais mourir. C'est comme tout à l'heure avec la. J'ai des leviers de plusieurs couleurs. Et alors, c'est quoi l'échiquier? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse avec ton échiquier? C'est comme dans Harry Potter, t'arrives et c'est un échiquier humain là, ou je sais pas quoi. Bah, je suis devant un énorme échiquier. Gros, ça doit être un truc avec la caméra, c'est ce qui nous manque. Il me manque une pièce à mettre sur la caméra, mais je comprends pas où elle est. J'ai pu me mettre en situation de. J'ai activé la fameuse. Je me gèle les couilles! Courage, t'as un manteau? T'as un truc? Attends, j'ai réussi, je crois. Ok, du coup, je peux activer mon levier, c'est bon. J'ai démarré le moteur, un fameux moteur dans ma pièce. Ah, c'est bon, j'ai le film. Yes. Ok, j'ai un échiquier. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai deux cases bleues. J'ai deux. Ah, je vois de moins en
vois moins bien, c'est devenu tout gelé. Le cinquième en partant de la gauche, tu l'avances de 2. Le cinquième en partant de la gauche, qu'est-ce que tu me racontes? Devant la tour ou devant le fou? Devant la... Je sais pas, je joue pas aux échecs. Tu joues pas aux échecs? Mais non. Pas du tout. Mais putain, jamais que j'aurais dû jouer aux échecs tôt ou tard. Mais ouais, bordel. Je suis en train de mourir. Je vais t'aider. La caméra met du temps à s'allumer, ce n'est pas un lecteur Blu-ray. Allô. Donc c'est quoi que tu peux faire quoi? Je peux soit à le droit du roi, devant la reine, devant la reine, devant la reine, tu l'avances de 2, devant la reine, tu l'avances de 2. Ah ouais. Et ensuite le truc à la droite de la reine, tu l'avances de en diagonale. Putain, je crois que c'était le roi. J'ai bougé le roi, j'ai bougé le roi. Non. J'ai bougé le pion qui était devant le roi, je suis échec et mat, je crois. J'ai pas bougé le bon pion, je suis en train de décéder. Ah si, je dois bouger un pion de chez les noirs maintenant. Ça c'est la reine ça, et ça c'est le roi. Merde. Non. T'es mort, on refait. T'es réapparu. En fait, je dois faire un coup chez les noirs. Qu'est-ce que je fais chez les noirs? Le blanc qui est devant le roi, tu l'avances de 2 pour les deux camps, OK? Ah bah t'as eu de la chance, c'est ce que j'avais fait. Putain, t'as eu de la chance en me trompant, j'ai fait ça. OK, donc c'est fait. Ouais ouais. Du coup là, je retourne chez les blancs. Ouais ouais, c'est bon, côtés. Ils sont en face à face là. OK, chez les blancs. Accélère, il me reste quelques secondes hein. Il me reste vraiment quelques secondes de vie. OK, le truc à droite du roi quand le roi est dos à toi, à sa droite qui se déplace donc en diagonale, le fou, tu le déplaces de 3 cases vers la gauche. Non, le fou peut pas avancer parce qu'il y a des petits pions devant lui. Mais non, il y a pas devant lui parce que tu viens de le bouger, le pion qui était devant lui, tu viens de l'avancer de 2. Ah non, du coup non, je crois que j'ai Ah si, exact, pardon. Oui, à droite du roi, je le mets où? OK, le fou en diagonale de 3 cases vers la gauche, vers la gauche face à toi, vers la gauche. 1, voilà. 2, 3, donc sur la même ligne que le petit pion de tout à l'heure. Ouais, voilà, ok. Ensuite, okay, bon. Quand t'es face au pion noir, le deuxième pion en partant de la gauche, tu l'avances de 1. Je parle comme un gogol, c'est horrible. Je crois que ça a tout recommencé. Non, faut aller vite. C'était pas bon parce que ça m'a tout redémarré. Il est pas sur la même ligne que le petit pion blanc. Si, il est sur la même ligne que le petit pion blanc. Sûr et certain. Ça m'a redélète le jeu, je dois tout recommencer. Ce n'est pas normal, il y a un problème. Ok, c'est bon, excuse-moi, je suis revenu au fou, c'était tout bon pour toi en fait, je jouais les mauvais pions. Tu me rends malade, putain! C'est bon. Dis-toi que mon écran est... Je suis mort. Bien joué. Après, j'ai mes torts. Non, je pense que c'est ma faute. J'accepte. Je veux pas accuser à tort, c'est ta faute, attention, ta faute. Je veux pas accuser, dire qui a... Tu vois, mais c'est ta faute. Côté blanc, la reine, tu l'as fait avancer de 4. Et c'est fini. Tout droit. Tout droit. Ok, c'est échec et mat? Ouais. Non! Dis-moi, tu t'es pas trompé, gros. Bah parce que le jeu vient de se reset. Bah non, de 4, et du coup, tu bouffais le pion et c'est fini. Tu l'as fait? T'as mis clic, les gens dans mon chat sont en train de me dire la vérité. T'as mis clic, dis-moi la vérité, Dwag. Dwag, pour ma défense, je joue à la manette, déjà. Putain, mais évidemment que c'est moi qui aurais dû aller sur le terrain exécuter les ordres, j'aurais été meilleur que lui. On est con, putain. La reine, tu la avances de 2 en diagonale. Ok. C'est bon, je suis mort. Non mais, s'il vous plaît, ne tenez pas rigueur. Bon du coup on y retourne. Là je peux redéplacer les pions. Donc c'était le pion qui était devant le roi, 2 cases. Le voilà. Pion qui était devant le roi noir, 2 cases. Voilà. Le fou sur la ligne. Le fou sur la ligne du blanc. Ouais. Le pion noir que t'avances de 1 case. C'est ça. Ouais. La ouais, reine ouais, ouais. Que tu décales de 2 cases en diagonale. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ensuite c'est le cheval qui est côté reine du coup. Tu le mets à côté du pion noir, à gauche du pion noir que t'as déjà avancé de 1. Ouais, 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 ouais. Et ensuite la reine, tu l'as fait avancer de 4 cases et tu manges le pion qui est en face. Voilà, pour ma défense, la case est rouge parce que je mange le pion. Et pour moi, le rouge paraissait indisponible. Donc j'avais cliqué sur le petit bleu avant. Et du coup, mon misclic était une erreur en fait. Mais t'es sûr qu'on pouvait pas utiliser les coordonnées des cases dans toute cette histoire? Non, non, non. En gros, moi je te jure qu'il y a aucune coordonnée. Ça aurait été trop facile. Là, c'est bon pour moi, tout est bon. Okay. Mais en vrai, c'était pas si dur. Hein. Ouais, ouais, ouais. De ouf. Non, bien joué, hein. Honnêtement. Bien joué à toi. Qu'est-ce qui te... Putain, j'ai honte. Ok, moi je suis dans un théâtre. Je peux ouvrir une porte et je peux monter sur scène. J'ai un, tu sais, une vieille platine là. Tu sais, tu mets un disque et ça sort par un gros cuivre. Oh, attends, ça a lancé une pièce de théâtre. Un gramophone, merci beaucoup. En gros, moi j'ai un levier qui s'appelle scène 1 et j'ai un levier qui s'appelle Blood Light. Et au-delà de ça, j'ai plein de petits leviers bizarres. Eh bah, je pense qu'il va falloir que tu actives dans un certain ordre les leviers, ouais. Logiquement. Attends, je sais ce que je dois faire. Je dois écouter ce que le mec dit dans le disque et te dire à quoi ça correspond comme levier. There once was a castle filled with life. Ok, il était une fois un château rempli de vie. Le fantôme il se rapproche de Wham en fait. Donc tu vas mourir. Bah si on active pas, oui. T'as pas un levier qui met de la vie là là où je suis quoi? Si tu veux, je t'active la scène 1, voir ce qui se passe. Vas-y, mets la scène 1, voir, je pense que ça va amener les trucs de décor qu'il y a là, vas-y, active. J'ai appuyé dessus et ça se redésactive automatiquement. Comme on a dit, il faut appuyer dessus quand tout est valide. Alors après, attention parce que moi j'ai deux petites salles aussi que je t'ai pas dit où il y a des sortes de pièces de théâtre en fait, des choses qui sont représentées. Les okay, leviers ils doivent bouger les feuilles de décor. Regarde, tu vois un truc là? Là t'as vu un truc? Je te bouge plein de leviers différents. Là je t'en bouge un, là je t'en bouge un autre et là je t'active le dernier. Rien. Ah, le dernier, si, refais le dernier. Ah,
À gauche, ici, comme ça? Ouais, il y a un mini truc qui sort d'une fente, mais c'est ridicule. Non, mais là, oh, il est sorti plus loin. Vas-y. Ok. Tu me dis stop. Ok. Ok, en fait, faut que tu spammes le levier, Edouard. Putain. Bon, là, en gros, le décor que t'as, c'est genre un bouffon avec deux personnages qui sont, je pense, les personnages qui vont devenir leur roi et la reine. Donc, il a dit, il était une fois un château empli de vie. Là, j'ai la vie, mais j'ai pas le château. C'est pas celui-là. Ou alors, c'est l'un des deux que tu viens de faire, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Ramène-le. Ok, stop. C'est bon, j'ai capté. En fait, je t'envoie les décors que j'ai chez moi. Et en fait, je les ai plus chez moi maintenant. Mais tu comprends ça que maintenant, mais c'est fou! S'il te plaît, retiens quel levier quand t'appuies dans. Quel sens amène quel décor? Ok, tâche, okay. D'accord. Au pire, je me le note. Ouf, t'as note iPhone et note-le. Levier 1 vers la gauche égale bidule, levier. Vas-y. C'est vas-y, ça, vas-y. C'est pour ça là que je voulais qu'on fasse des tests, ok? Vas-y, non, mais t'as raison. Il faut qu'on sache chaque levier qu'est-ce qu'il correspond. Ouais, là je t'ai montré toutes mes scènes, donc à mon avis, il faut que je te les envoie dans le bon ordre, au bon endroit. Et là, putain, HF. Allez, on repart sur le... Oh la vache. Oh mon dieu, ça va être chaud ça. Donc moi, je dirais, faut amener le décor. Ouais, et donc l'arche. L'arche, vas-y, amène l'arche. Je pense qu'il faut tout centrer à chaque fois, à mon avis. Continue avec l'arche. Ok, stop. Est-ce que tu peux m'amener le jeune couple avec le fou? Donc le levier 5, le bouffon quoi. Là, tu vois. Ok, il arrive. Vas-y. Ok, tu peux valider pour moi? Ok. Non. Si? Attends. Ok, et il y vivait un roi avec sa reine. Tu m'amènes le roi et la reine, ça a marché. Vas-y, t'amènes le roi et sa reine. Le roi chill avec sa reine. Tu me dis stop. Ok, non, ok, ramène la reine maintenant. La reine c'était le 3, je te la ramène. Ok, est-ce que tu peux re-ramener l'arche? Ok, stop, valide. Sûr? Bah ouais! Scène 3, pour moi. Ok, ça a marché. Ouais. Il a dit tout le monde était heureux et tout était bien. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'on met? Et qu'est-ce que tu veux que je mette quoi? À l'image. Non, me lâche pas maintenant. En plus, tu vas mourir. Remets le roi, la reine et le bouffon avec le jeune couple et l'arche. Ok, vas-y, valide, voir. Scène 4, let's go, mec. Ok. Let's go. Je mets le gramophone, calme-toi, concentre-toi. Jusqu'à ce que le roi tue tout ce qu'il pouvait, je crois. Attends. Ramène le roi à l'épée. Ok, je te le ramène chez toi, ça. Ok, ça je veux bien, donc ça c'est le 4. Ok, il est là. Est-ce que le reste c'est bon ou faut que je fasse des trucs pour le reste? Est-ce que du coup tu peux ranger le roi normal? Ouais, ça je peux le faire normalement. Ok, vas-y, dégage-le. Ouais, voilà, okay. D'accord. Je sais pas si le roi a épée au bon endroit là. Mais ta lumière, la lumière, c'est quoi? Ok. La blue light? Bah blue light ça veut dire lumière de sang. Voilà, c'est ça. Ok, vas-y. Vraiment? Vas-y. Là je valide. Vas-y. Sûr? Vas-y. Lucas? Vas-y. Sûr? Dépêche-toi, le fantôme se ramène. Ça a marché. Ça a marché ou pas? Scène 5. J'entends massacre. Standing in blood, he proudly said. Standing in blood, he proudly said. Tu peux ramener le roi s'il te plaît avec son épée pleine de sang? Ouais. Et tu remets la lumière et tu valides. Dépêche-toi, je vais mourir. Non. Je fais vite. Je te le ramène, le roi épée, hein. Là il arrive. Roi épée, tu remets la lumière de sang. Stop. Remets la lumière de sang. Lumière de sang. Rallume-la, elle est éteinte là. Voilà, vas-y. Okay. Avance-le. J'ai validé. Ça a pas marché. Avance-le de 1, le roi. Le gars avec son épée, C'est bon, là? Ou non, il est déjà au max. Putain, le fils de chien. Arche! L'arche! C'est le chat qui m'a dit l'arche! Ramène l'arche! Ramène l'arche! Elle arrive! Valide! Je valide? Ça a pas marché! Le roi normal, il a déjà tué tout le monde. Ramène le roi normal. Je reviens le roi de l'épée, ramène le roi normal. Tu gères, t'es le meilleur technicien coulisses du théâtre. Je vais demander au proprio du théâtre de t'offrir une promotion. Tu me dis stop, il arrive. Ok. Non, c'est bon, il est bien. Valide. Non! Dégage l'arche. Dégage juste l'arche, s'il te plaît, ouais. Donc là, l'arche, il parle, hein. Il part encore. Ok, valide. Je valide. Oui! Oui? Je peux me barrer, frérot. Oui? Moi aussi? Sortir. GG Dwag! Non, me fais plus ça! GG Dwag! Oh putain, ça fait plaisir. T'es où? Je suis dans un couloir qui mène vers une grille. Elle commence à s'ouvrir, elle vient de ne plus s'ouvrir. Ah! Ok, faut qu'on reste tous les deux appuyés sur la dalle au milieu, Dwag. Ouais. C'est toi? Ça va, mon pote? Reste appuyé sur la dalle au milieu. Faut rester appuyé sur la dalle au milieu. Voilà, ok. J'arrive. Mais pourquoi tu... Ça me fait plaisir, on même pas aussi bonjour quoi, putain. Je méritais de m'en sortir plus que toi, Dwight. Je méritais ta gueule.
Je suis resté. Non, t'inquiète, je reviendrai te chercher, Dwag. Je reviendrai te chercher. T'inquiète pas, Dwag. On aurait pu essayer de réfléchir pour mettre des cailloux et partir tous les deux sur les dalles au lieu de. Je vais chercher de l'aide, je reviens. Mais c'est marché, gros, ce que tu viens de faire. Oh, quel plaisir. Oh, ça m'a fait du bien.